Bienvenue dans cette cinquième vidéo de notre série sur les phénomènes naturels. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde tourbillonnant et terrifiant des tornades, ces tempêtes violentes et destructrices qui défient notre compréhension et mettent à l'épreuve notre résilience. Les tornades sont des colonnes d'air en rotation rapide qui se forment sous des nuages d'orage et descendent jusqu'au sol, provoquant des dégâts considérables sur leur passage. Ces phénomènes météorologiques se forment généralement lorsqu'il y a une combinaison de conditions atmosphériques propices, notamment des masses d'air chaud et humide en basse altitude et d'air froid en altitude, ce qui crée un cisaillement du vent horizontal. Les tornades se produisent principalement dans les régions des États-Unis appelées « tornado alley », ainsi que dans d'autres parties du monde où les conditions météorologiques sont favorables à leur formation, comme en Amérique du Sud et en Europe. Les tornades varient en taille et en intensité, allant des tornades EF0 relativement faibles aux tornades EF5 extrêmement destructrices, capables de détruire des bâtiments et de causer des pertes en vies humaines. Les tornades peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur les populations et les infrastructures, détruisant des maisons, des entreprises et des terres agricoles, et entraînant parfois des pertes tragiques en vies humaines. Les populations des régions à risque de tornades doivent être préparées et informées des mesures de sécurité à prendre en cas d'alerte. Cela inclut se réfugier dans un abri sûr, comme une cave ou un sous-sol, et rester informé grâce aux bulletins météorologiques et aux alertes d'urgence. Les tornades nous rappellent la puissance brute de la nature et l'importance de la préparation et de la résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes. Merci d'avoir rejoint cette exploration des tornades. Ne manquez pas les prochaines vidéos de notre série, où nous continuerons à découvrir les merveilles et les défis de la nature. À bientôt!